amis à dévoiler la vie de ce maire, de ce ministre qui veut être maire. Bien sûr que ce monsieur a un problème. Je vous dis que moi, monsieur Mott David, je vous dis, on a des prédateurs en France, même dans l'État. Nous sommes le seul pays au monde où on a des sénateurs qui ont été accusés d'attouchement envers des sénatrices. Le seul pays au monde, et on ne le dit jamais assez. On nous parle que cet homme a dévoilé la vie de cet homme-là, de ce ministre. Mais je vais vous rappeler une histoire, monsieur David, et vous allez être d'accord avec moi. Avant cette histoire, on ne nous a pas fait l'affaire du calamar? On n'a pas dévoilé la vie intime des trois calamars sur table du ministre qui a démissionné? Est-ce qu'on a mis en prison ou en garde à vue celle qui a dévoilé les photos? À votre connaissance, monsieur David, on l'a mis en prison, la dame qui a dévoilé les photos de ce ministre qui mangeait des calamars? Il a démissionné, le ministre. Elle n'a pas eu le même traitement. Vous savez pourquoi elle n'a pas eu le même traitement? Hein, parce qu'on ne veut rien cacher. Là, on peut cacher quelque chose. Elle n'avait pas eu le même traitement parce que celle qui a dévoilé les photos, c'est une Française. Voilà. C'est l'amie de la femme du ministre. Elle était en désaccord avec elle. Et pour se venger, elle a dit « Je vais mettre les photos du dîner intime qu'on a eu tous ensemble. » C'était un dîner intime, donc ça fait partie de la vie privée. Elle n'a pas été en garde à vue, cette dame. Vous pouvez m'expliquer ces deux poids, deux mesures? Donc, il y a un problème sexuel dans notre pays qu'on n'arrive pas à gérer. Nous avons des prédateurs dans tous les domaines. Nous sommes le seul pays au monde où j'ai entendu que des policiers violent dans le bâtiment cité, un bâtiment de la police nationale reconnu dans le monde entier, violent une dame étrangère et aujourd'hui qui est en procès. On a des policiers qui violent, monsieur David. Donc on ne nous dise pas que ce phénomène qui vient d'arriver sur Internet, c'est quelque chose de normal ou ce serait une prise de drogue, comme je viens de l'entendre. Non. Non. Il n'a pas pris de la drogue. Il était clair. C'est qu'il a eu une pulsion sexuelle d'un prédateur. Moi, je vous le dis. On a des prédateurs. On a même des prédateurs. Aujourd'hui, nous sommes le seul pays au monde aussi. On vient de découvrir que même dans le sport maintenant, français, dans le patinage, on découvre encore des prédateurs. Et on vient nous dire encore ici que c'est la drogue, que c'est normal, que c'est pas normal, que ces gens sont pas responsables. Non, c'est trop, trop. Dans tous les domaines aujourd'hui, on découvre des prédateurs. Et les gens aujourd'hui y parlent parce qu'ils sont majeurs et ils ont moins peur. Voilà, monsieur David, mon avis. Tous les faits que je viens de vous citer sont réels. De la prison, du ministre, on trouve partout. Aujourd'hui, monsieur David, votre fille, elle se balade dans la rue, ou votre fille, vous la confiez à une association, il faut vous poser la question quand vous repartez chez vous, mais peut-être qu'elle va se faire toucher ou violer par un fonctionnaire de l'État. Vous avez confiance, vous déposez votre enfant quelque part, et parce que vous dites, je suis dans un lieu où il y a des fonctionnaires, et malgré ça, votre fille, peut-être un jour, elle va vous dire, mais papa, on m'a touché, on m'a violé, je ne pouvais rien dire. Parce que nous sommes le seul pays au monde où nous avons un rapport particulier avec le sexe et l'argent. Nous avons des prédateurs. Nous sommes le seul pays au monde où nous avons le plus de prédateurs qui nous font croire que ce sont des gens sains. Ils intègrent des postes dans lesquels on peut leur faire confiance, mais ce sont des prédateurs. Cet homme, il savait pertinemment que en mettant cette photo, en mettant cette vidéo dans Internet, Internet, ça va dans les airs, monsieur David, ça va partout. Ça va dans les airs, ça peut aller dans les ordinateurs des enfants, dans les téléphones des enfants, on le sait. Tout ce qu'on peut faire, c'est incontrôlable, Internet. Alors peut-être que dans sa tête, il s'est dit, peut-être un jour un enfant va voir que je me masturbe. Et ça a dû l'exciter quelque part. Parce qu'au fond, la prédation, elle est au fond du cerveau, on ne la contrôle pas. Et au fond de lui-même, il avait quelque chose qui dort. Parce que, monsieur David, on peut se masturber dans une chambre, dans les toilettes, c'est normal, c'est humain, c'est le sexe. Moi-même, après une relation sexuelle avec une femme, il m'est arrivé, après, de garder un bon souvenir et de vouloir prolonger mon souvenir et de me masturber dans ma chambre ou dans les toilettes. C'est humain, c'est humain. Une femme, elle peut faire pareil. Mais se masturber devant un ordinateur, monsieur David, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et ce qui est encore moins normal, c'est que c'est un homme politique où on a donné les clés de la République,
qui doit porter l'exemple. Donc cet homme, il est malade. Il est malade. Et qu'est-ce qu'on a fait? On veut nous faire croire que c'est pas grave. On veut nous faire croire que c'est pas grave, que c'est rien et que le coupable, c'est le Russe. Le Russe, il nous a dit attention, vous avez un prédateur. Il dit qu'il est comme ça, il dit qu'il est comme ça. Mais en vérité, il n'est pas comme ça. Danger. Moi, je dis danger. Mais quand je remets les images dans ma tête, je me dis, mais il n'est pas le seul. Quand je dis, après, je repense à tous ces hommes politiques qui ont été accusés de viol, d'attouchement, d'enfants, de ces coachs sportifs aujourd'hui qu'on entend, de ces prêtres dans lesquels on a donné notre confiance, qu'ils ont la bonne parole, et c'est toujours les mêmes. C'est toujours des gens qui représentent quelque chose d'important. Le prêtre, il représente aussi la bonne parole, la bonne conduite, regardez qu'est-ce qu'il fait. Le ministre, il représente aussi la bonne parole et une façon de se conduire, regardez qu'est-ce qu'il fait. Donc, ce sont les plus dangereux. Et c'est à eux qu'on a donné notre confiance. Le gardien de prison, un gardien de... Le directeur, mais on a étouffé l'affaire. Le directeur d'une prison qui tombe amoureux d'une femme qui est nazie, qui a participé au massacre d'un enfant juif, monsieur Halimi. Vous vous rendez compte? Et on n'en parle même plus, on dit plus rien. Ça n'arrive nulle part ailleurs, monsieur Madavid. Et je m'en fous si j'ai blessé, et je m'en fous si j'ai fait mal, si je dis la... parce que je dis la vérité, j'en ai marre. Maintenant qu'on... Bernard, je suis d'accord avec lui, mais qui veut me faire croire que c'est... cet homme a pris de la drogue, c'est de le rendre irresponsable. Et non, Bernard, c'est dans les gènes. C'est dans les gènes de notre pays. Et je dis, Bernard, trop, c'est trop. Et je t'as qu'à chercher dans le monde entier ce qu'on vit dans notre pays actuellement avec le sexe, tu le trouves nulle part ailleurs. Et tu peux regarder tous les faits que je t'ai cités, je les invente pas, c'est dans la presse. De M. Dominique Strauss-Kahn à M. Frédéric Mitterrand, jusqu'à ce directeur de prison, jusqu'au prêtre, jusque dans le sport, d'accord? Ça, c'est des faits réels, et tu le trouves nulle part ailleurs. Et je suis sûr que j'en oublie encore. Voilà, monsieur David, ce que je voulais dire. Ah oui. C'est vrai que quand on est en dehors du pays, et Abdel, surtout en Amérique, hein, moi j'étais témoin, les Américains, les sénateurs, les gens de ex-gouvernement, ou actuel gouvernement, les députés, les sénateurs, quand ils vont dire mal sur la France, ils parlent de ce que tu viens de dire. Ça, c'est grave. C'est très grave, monsieur David, c'est très grave. Ce sont des prédateurs, mais en plus, qui sont au pouvoir. Vous trouvez au Sénat, vous avez, il y a des dames, il y a des sénatrices qui ont porté plainte contre des sénateurs, attouchement, viol. La dernière qu'on a entendue, c'est sur monsieur Balkany. Donc, la dame a retiré sa plainte, on ne sait pas pourquoi. Il l'a braqué avec un flingue, il l'a voulu, il l'a violé. On l'a entendu, je l'ai entendu. Bon, elle a retiré sa plainte, maintenant, ça compte plus. Mais nous avons, même dans le gouvernement, des prédateurs. Dans nos écoles, nous avons des prédateurs. Des coachs sportifs à qui on a confié nos enfants pour en faire des grands sportifs. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Et on protège, on a l'impression qu'on a une protection collective de ce genre de phénomène. J'ai entendu il y a très longtemps, ça m'a choqué, un juge d'instruction dans un tribunal, il s'est masturbé en public. Oui, monsieur David, vous pouvez rechercher cette information. Un juge d'instruction français en plein tribunal se masturbait en dessous son bureau, en pleine audience. Trouvez-moi ça dans un pays au monde. Trouvez-moi ça dans un pays au monde. Ça m'attriste. C'est grave, Betty, c'est grave, hein, ce qu'Abdel vient de dire. Bonsoir, est-ce que je peux prendre la parole? Oui, Abdel, tu laisses Betty me parler un peu. Oui, Betty, bonsoir. Bien sûr. Avec Abdel. Oui. Voilà, bonsoir. Je voudrais rebondir sur le monsieur qui vient de parler. Moi, je voudrais dire que c'est le seul pays au monde, la France, effectivement, où que le mariage avec les enfants est interdit. C'est le seul pays au monde, en tout cas en Europe, où, en France, le mariage avec des enfants, avec des fillettes, est interdit. En France, il y a des aides sociales, qui aident les gens
à manger, à se loger et à se soigner. En France, c'est un des seuls pays où des millions de gens de toute la planète viennent se soigner en France. Et oui, monsieur, ça vous oubliez de le dire. Au lieu de casser la France et de cracher sur la France, vous voyez plutôt ce que la France peut apporter aussi au monde. Quand vous parlez des actes sexuels, vous voulez faire croire que c'est qu'en France, c'est une blague. C'est vraiment une blague. Vous voulez faire croire ça à qui? Allez lui dire oui, mais vous savez, en France, on peut pas se marier avec une fille de 16 ans. Elle va dire, mais je m'en fous, on a violé ma fille. J'aurais préféré donner mon consentement pour marier ma fille à 16 ans qu'elle se fasse violer. L'honnêteté intellectuelle, effectivement, c'est pas donné à tout le monde. C'est partie de la dignité. C'est partie de la force. C'est partie de la bonté qu'on a à l'intérieur. Maintenant, si on a envie de déverser que de la haine, bah allez-y, monsieur. Continuez. Allez-y, dans cette lancée. Allez-y. Ça va vous mener à quoi? À rien. Bah, c'est pas l'aider. À rien de bon. Il faut. À rien de bon. Quand il y a un phénomène, quand il y a quelque chose de mal dans votre pays, il faut le dénoncer. Vous savez, il faut le dénoncer. Parce que si vous le gardez pour vous, vous devenez une dictature. Et il faut penser aux gens qui ont souffert de ça. Mais à ce moment-là, c'est la planète entière, monsieur. C'est la planète entière, vous le savez très bien. Pardon? Vous le savez. Je sais quoi? Mais vous... Je sais qu'un directeur de prison... Madame, il y a une chose que je sais. Madame, il y a une chose que je sais. C'est qu'en France, monsieur. Madame, il y a une chose que je sais. Il y a une chose que je sais. C'est qu'un garçon juif s'est fait massacrer par un gang. Et le directeur de prison qui avait l'ordre de garder un complice de ce gang est tombé amoureux. Vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Vous vous rendez pas compte? Un homme, parce qu'il était juif, il s'est fait massacrer. D'accord? On a attrapé la complice qui l'a mis dans ce piège. Moi, je parle pas de ça. Moi, je parle et le des directeur enfants. À qui on a confié cette dame, là, vous... normalement qui devait la surveiller, il tombe amoureux d'elle sans penser à ce qu'elle a fait. Et vous venez me raconter vos balivernes? Un directeur de prison, madame. Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe. D'accord. Et vous même raconter vos balivernes? Non, vous savez à qui je pense? Je pense à si monsieur Halimi, à sa mère, à son père. En prison, là-dessus, je suis d'accord avec vous, il y a un problème d'éthique. Un problème? Vous me dites un problème? Mais c'est dramatique, madame. C'est pas un problème. Mais vous allez faire quoi? Allez dire ça à la madame Halimi ou à monsieur Halimi. Le directeur de prison, il est tombé amoureux du bureau de votre fille. Moi, c'est ce point-là que je condamne, moi. C'est vil, comment dit-elle. Mais vous rendez pas compte de la gravité de la chose. Et toute la bande qui sont en prison, c'est eux qui ont commandité ça. Non, madame, faites pas le serpent, je vous parle de ce directeur. Pourquoi vous reportez la faute sur le gang? Ben voilà, je vous parle de ce directeur. C'est le directeur le coupable? Ou c'est Fofana? Oui, c'est une faute lourde, grave, mais madame, vous vous rendez pas compte. C'est qui le coupable? Mais il est coupable pour moi, et pour moi, il a participé au gang, ce directeur. Il a approuvé il a approuvé de ce que ce gang a fait. Il est tombé amoureux d'une meurtrière, d'une nazie, d'une dame qui a participé à le massacre d'un enfant juif parce qu'il était juif. Il aurait dû lui faire la misère, normalement. Personnellement, il aurait dû lui faire la misère. Ce crime crapuleux, c'est pas lui, c'est pas le directeur de prison. Ah bon, qui a commandité ce crime crapuleux. Ah bah dis donc. Si vous comprenez rien, ce qui se passe, c'est grave pour vous. C'est vous qui comprenez rien, madame. Parce que je vais vous expliquer, à cause d'une histoire de cul, et je vais être vulgaire, à cause d'une histoire de cul, est-ce qu'une dame avait entre les jambes? Non, histoire d'argent. Elle lui a fait oublier. C'est une histoire d'argent, c'est pas. Elle lui a fait oublier l'énorme massacre que cet enfant a subi.
C'est grave quand même. À cause de ce qu'elle avait entre les jambes, cet homme n'a pas eu de respect pour la famille Halimi. Vous parlez que de ça, pour monsieur. Le sexe a pris une place importante dans son cerveau. Et c'est là où on dit que cet homme a un sexe dans la tête à la place du cerveau. C'est l'expression. Comment je peux tomber amoureux d'une femme en sachant qu'elle a participé à la massacre d'un jeune qui n'avait rien demandé? Comment? C'est pas possible. C'est comme si je tombais amoureux de la femme de Dutroux. C'est vrai, je suis d'accord. C'est comme si j'allais tomber amoureux de la femme coupable. De Dutroux. C'est pas lui le coupable. C'est pas lui qui a été condamné, c'est pas lui qui s'est trouvé en prison à perpétuité. C'est pas lui. Non, mais je parle du phénomène sexe pour vous dire que le sexe, comment il a fait perdre la tête à nos dirigeants et aux gens qui ont des fonctions très importantes. Et vous voulez en venir où par rapport à tout ce que vous dites par rapport à tout ça? Pardon, je vous entends très mal, madame. Par rapport à ce que vous dites depuis tout à l'heure, où est-ce que vous voulez en venir réellement? Je veux en venir que quelque chose de très grave, on veut nous faire croire que c'est banal et normal. Et je suis obligé de vous rappeler tous les faits que moi j'ai à ma connaissance et qui sont dans la presse, que pour vous dire que ce qui vient de se passer là, c'est pas un phénomène normal. Et les gens me suivent dans le cerveau, les gens ils ont un cerveau, ils réfléchissent aussi. Pourquoi vous voulez pas reconnaître qu'on a un problème dans notre pays ? Pourquoi les gens ils sont bêtes ? Madame, pourquoi vous voulez pas reconnaître qu'on a un problème dans notre pays ? Qu'on a des prédateurs dans tous les niveaux. Donc vous avez la solution ?